Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Lady. Salut salut et aujourd'hui avec Lady, on va vous donner des petits conseils pour aborder du mieux possible l'extension Renega qui arrive donc le 4 septembre prochain. Alors cette vidéo n'est pas consacrée uniquement à ceux qui veulent monter rapidement, vous allez le voir, il y a vraiment de petites infos qu'il faut prendre en compte pour pouvoir aborder du mieux possible l'extension et surtout de ne pas rater certaines choses. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc en tout, il y a 10-12 points différents qu'on a pu noter ensemble. Et du coup, je vais laisser Lady commencer. Oui, alors du coup, juste avant, euh, je tiens à préciser que Lady Lynn, c'est la même personne, vu que tu dis Lady, vu que tu es habitué, mais comme il y a des gens qui vont sûrement confondre, tiens à le préciser. Euh, premier point, bien évidemment, ça va être de jouer. Alors, ça paraît tout bête, mais jouer pourquoi Parce que vous allez pouvoir ainsi monter votre puissance sur votre personnage. Ça paraît con, mais l'idéal, forcément, c'est d'être au niveau 405 de puissance au moment de la sortie du DLC. Alors, ça, c'est bien sûr destiné aux gens qui ont la possibilité, c'est pas donné à tout le monde. Euh, de faire les raids. Si vous ne pouvez pas monter jusqu'au niveau 405, l'idéal, c'est d'être au grand minimum au niveau 396, puisque vous pouvez l'être grâce aux armures du solstice. Donc ça, c'est vraiment le premier point impératif, c'est d'essayer de monter au maximum le niveau de puissance de votre personnage. Et par personnage, j'entends bien évidemment dans un premier temps celui avec lequel vous allez commencer. C'est évident. En deuxième point, chose très importante, et ça, ça va être vraiment à faire avant l'extension Renegat avant le 28 août c'est impératif il faut le faire avant le 28 août équiper les modes élémentaires sur vos armes les modes élémentaires donc cryo abysso et solaire vont disparaître voilà ils vont vraiment disparaître à partir de l'extension renégat vous ne pourrez plus changer les dégâts de vos armes. Et du coup, ce qui est très important, c'est que vous avez la possibilité de choisir vous-même les dégâts que vous allez garder pour l'année 2. Donc, mettez bien les modes, par exemple, je ne sais pas, vous voulez garder un lance-roquette en solaire, Eh bien équipez bien euh, le mode solaire sur ce lance-roquette. Alors, la chose la plus intelligente à faire, c'est de garder plusieurs armes du même, type, du même type, pardon, dans des dégâts différents, mais faites très attention de bien valider tous les dégâts élémentaires de vos armes avant le 28 août. Par contre, ça ne fonctionnera pas, je l'ai déjà dit dans une, autre, dans une autre vidéo, pardon, ça ne fonctionnera pas sur le pompe Icelos et sur le sniper Icelos qui resteront en solaire. Et il y a également une liste de 5-6 armes qui, elles, passeront en cinétique. Je vous mettrai directement euh, les noms à l'écran, vous les verrez comme ça, c'est des armes lourdes, la plupart c'est des snipers et des pompes. Et ces armes-là passeront obligatoirement en cinétique, donc ça ne sert à rien d'équiper des modes sur ces armes-là. Voilà, alors de la même manière, vous avez également les jetons de planète, et ça c'est le troisième point, qui vont disparaître également. Donc, autant vous dire que farmer les jetons serait le plus intéressant dès à présent. Pourquoi Tout simplement parce que vous allez pouvoir les conserver à la sortie du DLC afin de pouvoir monter votre réputation et d'obtenir du loot. Par exemple, vous avez les jetons de l'avant-garde, les jetons de l'épreuve et les matériaux de l'armurier qui vont vous permettre d'obtenir du loot et du stuff de l'année 2 au moment de la sortie du DLC Renega, même si ce sont des jetons que vous avez accumulés au moment de l'année 1. Donc ça reste quand même super intéressant, d'où l'intérêt de les farmer massivement et de les conserver dès à présent. Alors pour ces jetons, vous avez plein de possibilités, vous les connaissez. La plus rentable, bien sûr, c'est de farmer les contrats régulièrement, puisque un contrat vous donne, je crois, jusqu'à 4 jetons. Et vous pouvez également jouer en escouade et utiliser les faveurs, puisqu'une faveur vous permet d'obtenir 5 jetons supplémentaires et que, comme vous le savez, c'est cumulable entre les 3 joueurs jusqu'à 15 jetons en conséquence. Donc dépensez vos jetons uniquement, par contre, à la sortie du DLC et lorsque vous êtes au niveau 50 sur votre personnage, c'est-à-dire lorsque vous aurez terminé la campagne afin de pouvoir monter votre puissance de façon un peu plus efficace. Le quatrième point qui est très important également, c'est de farmer les différents matériaux. Donc quand je parle de matériaux, je parle de Ombre l'Homme, etc. Vous savez tous les matériaux qu'on peut trouver sur les différentes planètes. Pourquoi Puisque une fois que vous aurez utilisé tous vos jetons de planète, ils seront votre unique source de gain de réputation sur chacune d'entre elles. Donc ça, c'est très important pour pouvoir grimper des niveaux et pouvoir récupérer des engrammes. Et chose très importante également c'est que désormais les matériaux vont servir à infuser vos armes, donc un petit peu comme sur Destiny hein, c'était le cas d'ailleurs, et bien là c'est la même chose, les matériaux vont servir à infuser vos armes. Donc si vous jamais vous n'avez pas envie de perdre de temps à la sortie de l'extension et d'aller farmer quelques heures sur les différentes planètes, je vous conseille de le faire dès à présent, voilà pendant que vous faites vos, vos petits événements publics, vos assauts, etc. N'hésitez pas à ramasser des matériaux pour pouvoir les ramasser vous connaissez vous pouvez utiliser les spectres qui permettent de repérer les coffres et les matériaux des différentes planètes et sinon il y a également le chasseur abyssal vous sélectionnez la doctrine d'en haut et vous pouvez les voir apparaître sur votre radar en gros un conseil principal sur euh, pour la préparation de ce dlc on est vraiment dans le farming et dans le stock à fond à fond à fond en cinquième point euh, on va parler des modes alors les modes c'est également quelque chose qui va disparaître dans le jeu à la sortie de Renegade. alors on ne sait pas si c'est sûr, mais notre conseil concernant ces modes, ça va être de les transférer en version légendaire, de les convertir en légendaire et de les conserver. Pourquoi tout simplement Parce que si on a une grande chance de les voir disparaître, il est peut-être possible que les modes légendaires restent afin que l'on puisse les démanteler et qu'ils nous donnent en contrepartie des composants de modes. Alors ce n'est pas quelque chose de certain, mais pourquoi pas autant tenter. Au mieux des cas, on aura des composants de mode. Au pire, on les aura conservés pour rien, ce qui n'est pas non plus totalement dommageable à ce stade du jeu. Alors, sincèrement, pour les composants de mode, je reviens rapidement, je ne pense pas qu'ils serviront. C'est vraiment au cas où, parce que Bungie a confirmé que chaque arme qu'on va looter en année 2 possèdera un mode. Et lorsqu'on va démanteler l'arme, on pourra récupérer le mode et l'équiper sur une autre arme. Donc, je ne pense pas que les composants de mode vont fonctionner. Mais bon, au cas où, n'hésitez pas à en mettre un petit peu de côté, on ne sait jamais. En sixième point, n'hésitez pas à acheter des médaillons d'escouade. Vous savez, on les achète directement chez Eververse. Ça coûte, il me semble, 50 poussières d'étoiles ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le prix. Mais en tout cas, ils vous permettent de pouvoir gagner plus d'XP à la sortie du DLC et du coup de monter vos niveaux plus rapidement. C'est super intéressant. Ça vous permettra également de pouvoir looter du stuff plus haut en puissance plus rapidement. Donc n'hésitez pas à en acheter également, à en mettre de côté. Tout à fait. Septième point, pareil pour les achats et les mises en stock. Et c'est encore une fois quelque chose d'évident et de tout simple. Pensez à acheter des trois de deniers et à les stocker à la sortie du DLC pour pouvoir les utiliser à ce moment-là. Ça va vous permettre d'augmenter vos chances de looter les nouveaux exotiques qui vont sortir avec l'extension. Donc c'est encore une fois un conseil à ne pas négliger. En huitième point, un conseil, c'est de faire un tri dans votre inventaire. Pourquoi Puisque les équipements de l'an 2 seront déjà sûrement beaucoup plus intéressants et plus utilisés que ceux de l'an 1 puisqu'ils auront les nouveaux modes, le nouveau système de mode, et que toutes les armes de l'an 1 ne l'auront pas forcément, il n'y a qu'une liste très réduite d'armes de l'année 1 qui auront le système de mode de l'an 2. Donc voilà, n'hésitez pas à vous séparer de vos armes de l'année 1. Il faut savoir de toute façon que depuis la sortie du DLC 2 en mai, chaque équipement que vous démantelez sera récupérable dans l'onglet collection, donc il y a un nouvel onglet qui va arriver avec l'extension Renega, et via cet onglet vous pourrez récupérer toutes les armes et les armures que vous avez lootées depuis la sortie du DLC 2 en mai. Donc peu importe si vous démantelez vos armes de toute façon, vous ne les perdrez pas. Et démanteler également des armes avec des pièces maîtresses vous permettra d'obtenir des matrices de pièces maîtresses qui serviront à monter vos nouvelles pièces maîtresses. Jusqu'au tiers 10. Vous le savez certainement, voilà, on va pouvoir monter différents tiers sur l'arme. Une arme on pourra la monter tiers 1, tiers 2, enfin voilà, jusqu'au tiers 10. Et il faut savoir que ça coûte assez cher en ressources pour la monter jusqu'au tiers 10. En gros, il vous faudra 10 000 lumens, 27 éclats légendaires et 17 matrices de pièces maîtresse pour monter une arme jusqu'au tiers 10. Donc c'est très important. Si jamais il y a des armes que vous n'utilisez pas et qui sont équipées de pièces maîtresses, démantelez-les et gardez surtout de côté vos matrices de pièces maîtresses. Ça serait vraiment bête de les gâcher dès maintenant. Conservez-les vraiment pour la sortie de l'extension. En neuvième point, on va aborder euh, le fait de devoir conserver certaines armes. Donc si on vient précédemment de vous conseiller de tout démanteler, de faire un gros tri dans votre inventaire, enfin tout entre guillemets bien sûr. Euh... L'idée, c'est quand même de conserver certaines armes. Pourquoi Puisque certaines armes de l'année 1 posséderont des perks aléatoires en année 2. Par exemple, ça a été le cas pour ceux qui ont suivi les, les précédents livestreams euh, du Petit Diable. Alors, dans l'idée, conserver certaines de ces armes, on ne connaît pas encore la liste précise des armes qui pourront être assujetties aux percs aléatoires, mais conservez-en également plusieurs exemplaires, si vous avez la chance de l'avoir farmé, déjà, ces différentes armes, notamment pour le Petit Diable. Essayez d'en conserver plusieurs exemplaires puisque euh, vous le savez, euh, l'idée de l'année 2, ça va être d'essayer d'obtenir le rôle parfait sur une arme. Donc, plus vous conservez d'armes, plus, plus vous aurez de chances euh, d'essayer d'obtenir le bon rôle sur chacune de ces armes. Et puis, dans le pire des cas, vous aurez un, un, un mode aléatoire qui va apparaître à la sortie d'extension. Vous aurez plus qu'à démanteler les armes et, comme ça, vous pourrez au moins récupérer quelques modes d'avance. En dixième point, et ça, ça va faire vraiment du bien. Dès le 28 août, vous allez pouvoir démanteler par stack complet tous les revêtements que vous n'utilisez pas. Alors, moi, il y en a, j'en ai 600, c'est un délire. Et du coup, vous allez pouvoir les démanteler et ça vous fera gagner des lumens, des éclats légendaires ou encore des poussières d'étoiles. Donc, c'est très important. Hein. Franchement, séparez-vous directement de vos, de vos revêtements que vous n'utilisez pas. Moi, j'ai hâte de pouvoir les supprimer. Mon comité poste est toujours plein de revêtements et ça va faire vraiment du bien. Et en plus, ça va pouvoir nous faire gagner quelques ressources en plus. Ouais, clairement, parce que c'est vrai que le comité des postes, c'est la folie. Et d'ailleurs, avant-dernier point sur euh, le onzième point sur lequel je voulais revenir, tu parlais tout à l'heure des ressources de planète, donc tout ce qui est ombre ombrelum, euh, aiguille de verre, euh, maille de données, toutes les poussières d'alcanes, etc., etc., vous connaissez. Donc tu parlais de les, euh, de les farmer, moi je vais vous conseiller également en parallèle de les économiser et de les stacker au maximum une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire avec, puisque je pense que ce sera très intéressant de les conserver pour la sortie du DLC. Oui, en gros, là, franchement, ça ne sert à rien pour ceux qui sont déjà, par exemple, 50 à l'avant-garde. Utilisez plus vos jetons, conservez tout ce que vous pouvez jusqu'à la sortie de l'extension Renega. Ça vous servira déjà à pouvoir monter en puissance et à pouvoir récupérer du nouveau stuff. Ça va être vraiment très intéressant à utiliser à ce moment-là. Et le douzième et dernier point, et là ça va s'adresser uniquement à ceux qui veulent vraiment monter ultra rapidement leur niveau de puissance. En tout cas ça a fonctionné jusqu'ici sur Destiny 2. Je pense que ça fonctionnera encore pour l'extension Renega. Pour ceux qui veulent vraiment optimiser le level up à la sortie de l'extension, on vous conseille de farmer les... Les événements publics dès la sortie d'extension voilà vous farmez les événements publics jusqu'à monter niveau max donc niveau 50 et à ce moment là via la campagne vous allez pouvoir looter du stuff avec un niveau de puissance beaucoup plus élevé donc voilà ça c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment optimiser au maximum la montée en puissance sinon pour les autres et eh bien profiter tranquillement du dlc voilà bah écoute je pense qu'on a fait le tour de tous les petits conseils qu'on avait à vous livrer à la sortie de, de bah de cette extension vous pensez à quelque chose qu'on aurait oublié, ça peut arriver. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça peut toujours servir aux autres, ça peut être des bonnes idées, donc n'hésitez vraiment pas à nous donner toutes vos idées. Et euh, ça peut même nous servir à nous, on n'a peut-être pas pensé à certaines choses qui pourraient être révisantes. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira à pouvoir optimiser votre stuff et vos équipements pour l'arrivée de l'extension Renega. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous Tchuss